Bon matin tout le monde! On est lundi, j'espère que ça va bien. Donne-moi 2 minutes, je suis à toi. Hello. Et bon, alors, ben c'est ça, coucou, ce matin, on est lundi, ça me tentait de te faire un petit live. Un, je suis tellement énervée, je suis excitée, parce que je commence mon nouveau programme aujourd'hui. Tellement hâte, mon programme 4 jours semaine. Puis là, ça tombe bien, je suis en vacances cette semaine, la semaine prochaine aussi. Et dans le fond, tu sais, 4 jours, parce que là, moi, je faisais un programme de 80 jours avec des séances de 1 heure en moyenne, c'est 40 minutes, 1 heure par entraînement. Et là, ça va être seulement 4 jours, en moyenne 30 à 40 minutes. Fait que je vais vraiment me sentir en vacances. Cette semaine, c'est une semaine de préparation, donc c'est 4 séances de 20 minutes. Alors, comme il me reste une dernière semaine de mon 80 jours, je vais mixer les deux. Alors, ça tombe bien, je suis en vacances, donc c'est pas grave si je m'entraîne pendant 1 heure et demie. Ça va être exceptionnel, par exemple, là, parce que c'est long, 1 heure et demie quand tu forces ça. Oh! Et j'aurai bien besoin d'énergie. Je vais te parler un petit peu de température. Est-ce que la température t'affecte, toi? Moi, ça m'affecte énormément. Et au cours du temps, je me suis développé des petits trucs. Tu vois, c'est bien basique. Rien pour écrire un livre, là. Mais je vais te les partager. Parce que là, il annonce. Bon, aujourd'hui, c'est maussade, c'est gris. Je pense qu'il annonce de la pluie. Puis. Quelqu'un en fin de semaine me disait là, que Météo Média annonce, bon, des fois il se trompe, là, mais il annonce vraiment du gris toute la semaine ou à peu près. Bon. Et moi, même si c'est comme une journée comme aujourd'hui, d'habitude, ça. Tu sais, je me sens plus dense, c'est plus lent, là. Tu sais, mon départ de ma journée est vraiment plus lent. Je stagne, je me cherche. Je sais pas. Je suis moins productive dans ce temps-là. Là, c'est sûr qu'exceptionnellement ce matin, je le suis parce que. Trop hâte de commencer mon nouveau programme, là. Mais sinon, qu'est-ce que je fais? Eh bien, un, je m'habille colorée. C'est niaiseux. Là, ce matin, bon, j'en ai pas besoin, mais ce matin, quand même, c'était voulu. Ça faisait longtemps que je les avais mis, ces leggings-là. Il y a des étoiles. Comme je suis comme énervée, là, ben, je me suis, yes, je me sens puissante ce matin. Alors, j'ai mis ça, mais un truc, c'est ça, habille-toi colorée, mets ton top ou ta camisole la plus colorée possible. Alors, c'est quand tu te regardes dans le miroir, ça donne un punch, c'est vivant. Ensuite de ça, aussi niaiseux que ce soit, te faire une couette haute. Ce matin, je l'ai faite haute habituellement, je l'ai faite plus basse. Ben, une couette, peu importe, mais remonte-toi ça. Ça remonte le moral en même temps. Autre chose pour l'entraînement, mets tes top musique. C'est là, c'est le moment pour. Écoute, starter le moteur, starter la machine, donc mets-toi de la musique qui t'enflamme, qui fait en sorte que tu vas te donner dans ton entraînement, là, même si ça ne te tentait pas au départ. Parce que dans le fond, c'est une fois que tu commences ton programme, ton entraînement, tu es dedans.
sais, ta motivation arrive et tout ça, c'est de starter la machine qui est difficile. Donc, ces petits éléments-là, ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Fais-toi plaisir dans le courant de la journée, dans le sens que, ben, tu sais, moi, j'adore prendre du thé. Puis, je suis allée m'acheter des nouveautés chez Camellia Sinensis. Alors, aujourd'hui, je vais me gâter, même s'il fait pas beau à l'extérieur, eh bien, je vais siroter mon nouveau café. Donc, tu sais, pense, planifie quelque chose que tu aimes faire, quitte que ce soit 5 minutes, 10 minutes, mais planifie-toi là, puis... Tu vas voir comme anticiper le moment et ça va te donner le goût de... Tu sais, par exemple, tu peux te dire, OK, quand je règle mon entraînement, ça me tente pas, mais je le règle puis je me gâte, je prends mon thé après. Ou j'ai vu la belle paire de sandales là que j'avais vu, je vais aller me les acheter. Ou si t'aimes marcher, je vais aller me gâter, je vais aller marcher, tu sais, relax, tranquille. Tu sais, des petits éléments comme ça. Donc, tu vois, c'est rien de super top, super particulier à faire, mais moi, c'est mes petits trucs. Côté alimentation, bien important dans ces moments-là, quand on se sent plus down, ça, on a tendance à plus manger. Donc, tiens-toi loin du frigo. Essaie de te trouver des choses à faire à l'extérieur, parce que quand on s'emmerde, on s'ennuie, on a tendance à aller vers le frigo. Donc, on reste occupé toute la journée. Alors voilà, c'était mes 4-5 petits trucs à moi qui fonctionnent pour moi, mais que je voulais te partager ce matin par rapport à la température, des fois, qui est moins là. Quand il fait soleil, on est tout le temps motivé, ou presque, là. Mais c'est ça. Alors, c'est mes petits trucs. Alors, si tu vois cette vidéo en rediffusion, bien, tu pourras réécouter plus tard. Alors, bonne journée, là, moi, je cale ça pour pouvoir faire mes entraînements. Et je te souhaite bonne journée!